Position, Gareth. Whoa. Bayek, bienvenue. Tu trouves des choses si intéressantes, Bayek. Vendu. Je vais te débarrasser de ça. Vendu. Position, Gera. Unit, ready. Très bien, mon ami. Yannou. Tu trouves des choses si intéressantes, Bayek. Tu peux toujours compter sur moi. Habitants de Siwa, voyez ce qui arrive à celui. Verser l'impôt au pharaon est un devoir sacré. Lui obéir en toutes choses est un devoir sacré. S'en détourner revient à trahir les dieux. Par ordre de la cour, tout villageois qui sait quelque chose au sujet du temple d'Amon et des secrets qu'il peut recéler doit se faire connaître au plus vite. Il a mangé ses boyaux.
Bédédouk Han Krayet. Sortir d'ici. Hey. Quoi? Prends ça, charogne. Toi, tu es revenu. Pour rendre la justice, je meurs mon œuvre inachevée. J'étais si près d'accomplir le règne éternel des forts, des sages et des vertueux. Des vertueux, hein ? La crypte nous offrira le pouvoir des dieux. Alors la vie d'un enfant. La vie d'un enfant. Papa ? Oh, 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 pas loin. Allez, encore une fois. D'accord. Hey. Eh bien, je peux essayer. Comme ça, j'en aurai deux. Bien sûr. Bon. Lève, tends. Prêt? Oui. Oh, tu m'as fait rater. Tu... Kemu, par ici. J'ai trouvé la caverne des hyènes. La caverne, oui. Ben vas-y. Tu vas l'adorer. Il y a au moins 16 hyènes. Elles sont toutes noires et effrayantes. Eh ben, en fait, je préférerais aller chasser avec mon papa. Oh, t'as toujours peur de tout. Hé. Hé, hé.
Et si on allait chasser pour de vrai, hein? D'accord. Allez, viens. Qu'est-ce qu'on va chasser? L'oracle a besoin d'une peau de bouquetin mâle pour la cérémonie. Tu te tiendras à côté du pharaon? Pas vrai, Bayek? T'es le Medjay! Quand je serai Medjay, je serai aussi à côté du pharaon. Tu seras jamais Medjay. T'as bien trop peur. C'est pas vrai. Et la grande Oyenne, alors? Tais-toi. Ça suffit, vous deux. Le sable me brûle les pieds. Peut-être qu'ils vont prendre feu. Ça te fera aller plus vite. J'aimerais bien que mes pieds y prennent feu. Il est devant nous. Je peux venir? Non, ta mère t'attend. Très bien, on se voit à la cérémonie, Kemu. Au revoir, Shenzira. Vous prenez mal. Pas après n'importe quel mal. C'est le chef. On reconnaît. Le grand corps. Maintenant tais-toi. Fais comme moi. Ah, c'est mon moment préféré. Baisse-toi. Ils vont nous voir si on ne devient pas comme Amon, le dieu qu'on ne voit pas. Oui, Papo. Nous sommes ceux qu'on ne voit pas. Tu vois? Mes yeux et ma main sont alignés sur la flèche. C'est la seule manière de viser juste. J'aimerais pouvoir tirer 100 flèches avec cet arc. Oh non, je leur ai fait peur. C'est pas grave. Ça nous fera plus de temps ensemble. À profiter de ces moments. Reste avec moi. On pourra le faire. Tous les deux. Ça lui a fait mal. Un tir en plein cœur ne fait presque pas souffrir. Allons chercher celle-ci. Nous apporterons ça à l'oracle avant la tombée de la nuit. Un jour, je vais tirer une flèche à travers le soleil. Tu peux. À condition que ta flèche soit comme c'est nous. T'as raison. Si mes flèches étaient comme c'est nous, je pourrais chasser tout ce que je veux. Tu as dit que tu aimerais voir le pharaon de près. Oui. Et si tu venais avec moi à ses côtés? J'ai le droit? En tant que fils de Medjay et futur Medjay. Papo, c'est quoi un Medjay en vrai? Le premier Medjay était le protecteur du pharaon. Mais ça signifie que tu dois veiller sur tout le peuple d'Égypte. Pas seulement le protéger, mais œuvrer pour leur bien-être. Oh, Papo, je suis si heureux de devenir Medjay. Toi, tu connais tous les secrets de Siwa. Et si je ne deviens jamais Medjay? Tu le deviendras. Tu es mon fils. Mais ça me fait peur. J'essaye d'être courageux, mais parfois c'est dur. Attends. Passons par là. Tu sais, quand j'avais ton âge, parfois moi aussi j'avais peur. Ton grand-père était un Medjay de renom. Et il tenait à ce que je fasse honneur à la famille quand je lui succéderai. Oui. Un jour, il m'a amené sur ce chemin. Au sommet, il m'a dit quelque chose. Un seul mot. Ça m'a transformé. Un seul mot? J'ai surmonté ma peur. J'ai compris que je pouvais tout faire. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Je te le dirai quand on arrivera. Oh. Quel mot il disait ton père déjà? Saute. Ne réfléchis pas. Saute. Oui, Papo. Allez, crois-moi. Tu peux. Je sais, j'y vais. Alors saute. Bon, reviens, tu n'es pas encore prêt. Je peux le faire, Papo. Je peux. Tais-toi, pauvre petite vermine. À l'aide, aidez-moi! C'est Shenzira. Je t'ai dit de te taire. Retourne auprès de ta mère. Ne t'inquiète pas pour Shenzira, je m'en occupe. Medjay Bayek! Va, allez.
J'ai peur, Papo, je veux pas rentrer tout seul. Oh, Kemo, pour une fois dans ta vie, ne sois pas lâche. Va. Medjay Bayek. Je suis bien le Medjay ici. Qui veut me parler? Range ton arme et suis-moi. T'as dit que tu voulais juste lui parler. Ah! Viens. Qui es-tu pour me donner des ordres? Il est à toi. Au moindre bruit, tu es mort. Qu'est-ce qui vous a retardé? On a été discret, Seigneur. On est resté dans l'ombre. Merci d'avoir accepté de te joindre à nous, Medjay. Il est d'une importance cruciale que nous accédions à la crypte. Les prêtres du temple s'entêtent à refuser de nous aider. Tu y répugnes aussi, Bayek, peut-être, par loyauté envers l'oracle. Il se trouve que nous avons ici quelqu'un qui devrait t'aider à changer d'avis. Silence. Oh. Chef. Bonjour. Medjay. Veillez à ce que personne n'entre. Kemo, tu es blessé. Vas-y, essaie à ta manière. Laissez mon fils en dehors de ça. Ton fils a quelque chose à t'expliquer. Libis peut-il lui montrer l'orbe? Nous pensons qu'il faut ceci pour entrer dans la crypte. C'est une perte de temps. L'enfant est effrayé. Tout va bien. En tant que Medjay, tu dois connaître un indice ou une légende qui explique son usage. Je ne sais rien sur cette crypte. Ah, par pitié, ne mêlez pas mon fils à ça. Seigneur, le pharaon a été alerté. Il a... Nous allons être découverts. Vite. Parle à ton fils. Si la crypte n'est pas ouverte à notre retour, tu ne le reverras jamais. J'ai fait ce que tu m'as dit, mais... Ah, tout va bien, fils. Non? Papo, je peux te l'apporter. Non! Kemo, non! Ils vont nous faire du mal! Kemo, il faut... Kemo! Quelle perte de temps stupide! Non, Kemo! Non, viens! Il viens!
Parle! Non, je ne sais rien! Nous devons partir! Je vais arracher le cœur de ce garçon! Non, attends! Il ne connaîtra jamais l'autre monde! Non, je veux parler! Il veut gagner du temps! Qu'est-ce que c'est? Arrête! C'est de la folie! Le serpent considère que c'est ta réponse. Ah non! Kemu! Silence! On croyait que tu étais mort. Tu n'as même pas été capable de sauver ton propre fils. Tu n'es personne! Bayek de nulle part, misérable père de personne. Et là, tu meurs au nom de personne. Puisse le cachet t'accueillir. Le seigneur de la droite t'attend. Bien joué, mon ami. Notre héros est de retour. Tu as ramené la joie, Siwa. Je dois partir pour Alexandrie. Il faut que je voie Aya. Allons, ne te précipite pas. Siwa a besoin de son Medjay. Ici, c'est toi le protecteur. Je suis toujours heureux de t'aider. Viens me voir quand tu seras prêt à partir. Nous boirons une bière à notre amitié, mon ami. Thank you.